Laisse-toi. Te sauvegarder avant de faire ça. Je suis en train de perdre des munitions pour rien en fait. C'est ça, allez. Ne perdons pas de temps, rechargeons directement. Donc on a tué les deux cons. Là où il n'y avait rien. Là-bas il y avait la porte à ouvrir. Si aussitôt ce level est bien sombre. Oui, ce Tomb Raider est très sombre. De base, ce Tomb Raider est très très sombre. Chiotito, je sais pas ce que ça veut dire. Ah merde, t'es juste mort. Mais t'étais pas mort tout à l'heure. Comment tu veux que je le tue celui-là? À moins de lever. Ah non, mais je suis même pas rentré là. Quel idiot. En fait, je crois que c'est la suite là-bas, mais il faut que je. Oh purée. Quoi, tata. Ah voilà, c'est ça. Les créatures. Bouf, 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 bouf. Voilà. La créature gentille, elle nous a laissé passer. Elle est très gentille cette créature. Hein. Bonjour! Sors ton arme! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a perdu de la vie, mais on n'a pas perdu de munitions. Moi. Bonjour, je suis un corps mal modélisé. Putain, il n'y a pas une seule munition, une seule trousse. Chiotito, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je pense que oui. Mais voilà, je confirme que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas fouiller dans les boîtes, là, il y a peut-être des trucs intéressants, non? Merde, c'est une morgue. Ah merde, c'est une morgue. Donc du coup, non, fouille pas. Un cœur. Mal modélisé. Tu veux pas? Hein? Bon. Tant pis. Ah, des corps. Des corps. Des corps. Ça donne très très envie de rentrer dans cette salle. Voilà. Allez, donc maintenant, on se retrouve, on va faire des dérives. Hop, une petite sauvegarde. Et là, on a que 13. Petite machin de carte. Ça ouvre ici, mais je sais pas du tout à quoi ça sert en fait. La suite? Oui, c'est la suite. Hop. Fais pas la suite. D'abord, on va voir le mec qui a dû mourir. Hein. Voilà, et qui va nous donner des trucs. Donne-nous des trucs. En fait, il y a deux endroits pour sauvegarde. Mais qu'est-ce que. Bon, déjà j'ai plus de vie, mais ça, je vais tout remplir ma barre de vie, ça devrait aller. Y'a rien là, ici? J'ai besoin de trucs, les gars. Hein. Cet endroit me dit rien du tout, mais rien du tout. Hein. Ah, une porte.
Où je suis? Ah oui! C'est vrai qu'il y avait une... La bête vient d'ici, hein. De la cellule qui était là-haut. Je fais le tour comme d'habitude. C'est du Tikva, protection aussitôt. Tikva? Bravo pour avoir recherché ça, mais... C'est bizarre. Alors après, la première fois qu'on entend les mecs parler comme ça, c'était à Prague. Donc en République tchèque. J'ai pas oublié. Donc peut-être que, effectivement, je sais pas. Donc faudrait voir si c'est pas du tchèque. Vas-y, on n'est pas pressé, Curtis, hein. On a juste à tuer, à sauver le monde, mais... Ouais, cette salle est pas obligatoire en fait, on peut aller te battre directement avec le boss sans faire cette salle là, mais c'est vachement important de la faire, je pense. Il doit y avoir plein de ressources, c'est pas négligeable. Là, c'est ce qu'on a vu là quand on avait ouvert la truc. Pas rentrer dans la salle d'ailleurs. Ah, ça c'est la cellule du méchant, de la créature qu'on a vue. On peut pas rentrer dedans. On peut monter dessus. Ça on est bon. Là il y a la plateforme ici. Mais non mais... Je ne sais pas sauter, je ne sais pas sauter. 5. Des fois je me demande, hein. Des fois vraiment un niveau de mendiation. Je sais pas quoi dire. Là. On va monter directement l'échelle, on va pas se faire chier. Donc le monstre est sorti par là et ensuite il est passé par les égouts. Voilà, allez, dépêche-toi de monter. Attends, j'ai... Hop. La chute la plus longue du jeu? Non, il y a plus long, je pense. Je pense qu'il doit y avoir plus long. Ah, quoique... Peut-être que si, finalement. Mais alors, si tu... Ce qui serait marrant, c'est... Quand tu chutes, tu fasses... Non, tout le long de la chute. On essaiera si vous voulez, si ça vous fait, si ça vous fait rire. Mais on montera le plus haut possible. Ça sera plus marrant. Voilà. Marche, parce que sinon tu tombes, on meurt. Je viens d'ici, donc du coup on va faire de l'élan. Voilà. Lion n'est pas de la partie, non, il est pas là, je ne sais pas pourquoi. Je l'oblige en rien à venir, hein. Des fois il est là, des fois il est pas là. Il n'y a vraiment pas de soucis, donc du coup c'est en fonction de ses disponibilités. Bon, du coup, bon, la plupart du temps, quand il vient pas, il n'y a pas grand monde qui vient, donc. Donc, du coup, c'est pas un souci. Allez, hop. Et moi, j'aurais préféré que tu sautes de l'autre côté, mon gars. Bon, allez, bon, elle tombe. Tu te baisses ou... Voilà. D'accord, y a rien ici.
J'aime bien aller dans les cul-de-sac d'abord et ensuite d'aller dans le bon chemin. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur d'oublier un truc. C'est un peu con, mais. Oh là. Merde, je sais plus où je suis. Là, je viens de là, donc du coup, hop, il faut que je tourne comme ça. Et que j'aille comme ça, là. Here we are. À droite, ok. On est? Je sais pas si je reconnais cette zone en fait, j'en ai aucune idée. On va voir. Ce qui est bien, c'est que le gars est vraiment pas pressé. Ah si, cette trappe, ça me dit quelque chose. Et voilà, impasse. Un truc, ça doit être pour fermer. Une barre de chocolat, on prend. Munitions. Pas de munitions, vous êtes des gros radins, les gars. Vraiment des gros radins. Des gros gros radins. Ah, d'accord, je sais où on est. Ok, bon, c'était juste pour récupérer une barre de chocolat, mais c'est déjà ça, hein. Ok, et eh ben alors on va aller affronter le boss. Sauf que le pass ne servait à rien parce qu'on a réussi à passer sans le pass la dernière fois. Mais bon, allez. Tant pis. Va se faire défoncer. T'es vraiment con, Curtis. Tu crois vraiment que ça va servir à ça? Ça va te protéger? Attention, scare jump. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop scare jump. Voilà, alors là. Le truc c'est de sauter et puis de je sais pas. Mais non, il a pas pu me toucher là. Là j'ai plus de vie donc on va prendre de la santé. Tac tac tac. Bon, on va prendre ça. Regardez, j'ai rien, j'ai rien. Ils ont tellement mal prévu cette partie quoi que c'est même pas amusant. Allez, lâche ton arme. Oh mais... Ah merde, je croyais qu'on pouvait monter moi. Allez, déclenche ça. Mais t'es con aussi toi de pas bouger. Bon, tant pis. Bon, c'était évident, hein. Allez. Bichol très très chiante à attaquer hein. Échappe. Quoi, regarde tête. Non mais attends, mais il me fait atterrir directement sur lui. Lâche ton arme. Non mais non. Non mais j'ai même pas envie de le faire quoi. Bon, prends la trousse de soins max, écoute, tant pis. Vraiment rien, j'ai rien en santé, en munitions, j'ai 4 chargeurs qui vont me sauver la mise quand j'en aurai besoin. Allez, on peut le faire.
J'espère, 48, 16, c'est bon. Allez, vite. Arrête de courir vers lui, tu con! Putain, la souplesse du Dalai Lama, quoi. Là, je peux plus lui tirer dessus. Donc là, j'en profite de prendre les chargeurs. La trousse de soins. Il n'y avait pas un autre chargeur là? Et là, on retire. Quoi? Mais non! Arme. Non. Énigme. Éclat. Cours, cours! Putain, il s'est réveillé. Fallait activer ça en fait. Ah! Prends ton arme du con! Vraiment un combat épique, hein. L'épicness de l'épicness, hein. Vraiment. Trop d'épicness, hein. Il arrive, il est là. Voilà, allez, lâche ça. Et prends ça. Mais non! Mais c'est pas possible. C'est ça qui était chiant dans ce truc là. Active cette manette. Je sais pas du tout, je ne sais pas. En fait voilà, c'est ça. C'est pas que c'était chiant parce que c'était chiant. C'est parce que c'était chiant parce qu'on savait pas ce qu'il fallait faire. Faut le tuer avec un éclat périapte, mais je peux pas le tuer avec un éclat périapte s'il me propose pas de le prendre, ce con. Allez, enlève ton truc. Allez! Énigme. Allez, prends-le. Vas-y, je sais que tu peux le faire, con. Tue-le avec un éclat périapte. Voilà, allez, éclat périapte, allez. Ah, putain. Aucune logique. Il fallait tirer 300 000 fois dessus, quoi. Là, il est mort. Donc, il fallait bien un éclat périapte. Donc, c'est bon, la logique est pas... J'aurais conseillé de lui mettre 3 ou 6 coups de plus, quand même, hein. Marche pas. Bon voilà, la bête est morte. Vraiment, je pensais que ça allait être plus dur. Dans mes souvenirs d'enfance, c'était plus dur. En fait, non. Donc ça, c'est des gros générateurs. Et on remet l'électricité. Et hop, téléportation. Et on va reprendre Lara. Enfin, parce que vraiment lui, il n'y a aucune munition, aucune chance, rien du tout. Tu vois, elle le tue en un coup. Elle le tue en un coup. Vous êtes revenu me sauver, inconnu. Je m'appelle Curtis. Lara. Et n'y voyez rien de personnel. Je vous revaudrai ça. Rendez-moi ma peinture. Désolé. Portée disparue au Louvre. Et pourquoi êtes-vous venu de Paris? Les cartes. Un vieux compte à régler que l'un de nous deux paiera de sa vie. Vous? Raison personnelle. Les cartes compte utiliser les 5 peintures d'Obscura pour quel animer ton magnifique les dormeurs et faire revivre les Néphilim
Dans ce but, il rassemble des éléments des corps de ses victimes, transformés par l'alchimie. Je l'ai vu à l'œuvre, le monstrum. Avec ce gantelet. Eckhart est l'alchimiste noir originel. Et il est tout proche de la dernière peinture. Connaît-il son emplacement ? Oui. Elle est cachée dans une galerie du Lux Veritatis, sous le Straub. Cette peinture doit être détruite. Et j'ai besoin de l'éclat que vous m'avez dérobé au Louvre. Il doit y avoir 3 éclats Beria. Eckhart a le dernier. Si les 3 éclats sont réunis, ils peuvent le détruire à jamais. Alors il veille sur le sien. Que savez-vous des éclats ? C'est une ancienne arme forgée par le Lux Veritatis. Mon père avait reçu la garde de 2. Eckhart l'a assassiné pour l'empêcher de me les donner. Il a échoué. Ainsi, Eckhart a tué votre père et vous réclamez vengeance. Justice. Associons nos forces. J'ai votre confiance. Tenez. Vous saurez les utiliser contre Eckhart ? Il faut le poignarder avec les 3 éclats. Forçons l'ennemi à se disperser en nous séparant. Partez à la recherche du 3e éclat. Je trouverai la dernière peinture et je la détruirai. Ok. Eckhart garde l'éclat dans son vieux labo d'alchimie, plus bas. Je me débrouillerai tout seul. La gravure indique que la peinture est cachée dans la galerie des trophées. Ici. L'entrée est sous l'eau. J'ai l'habitude. Comment peut-elle avoir la gravure et la carte ? Peu importe. Trop de nos hommes sont morts en cherchant à ouvrir cette maudite galerie. Laissons-la mettre ses pauvres talents à notre service. L'homme arrivera ici bientôt. Soyez prêts à l'accueillir. Aucun danger qu'elle ne détruise la dernière peinture. Je ne lui en laisserai pas le loisir. C'est la même voix que l'autre méchant. La 5e peinture d'Obscura sera mienne. Et puis... Centre de recherche, alors ça oui, ça va être sympa. Ce niveau va être sympa aussi, il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Et donc du coup, bon, hop. Change de centre de recherche aquatique, c'est ça. On le fera la prochaine fois, on va arrêter pour aujourd'hui ce jeu-là. Le combat de boss est un peu compliqué à décrire vraiment parce que quand on réfléchit bien, le boss est pas terrible. Donc on doit tirer dessus, il n'y a pas de souci, pour l'amocher. Après, il tombe comme ça, il s'endort. Enfin, il monte dans un endroit, on sait pas, pour atterrir comme ça, aucune idée. Enfin, bref, il s'évanouit, il se relève, il tombe, il s'évanouit, il se relève, il tombe, il s'évanouit, il se relève. Et après, hop, il se réévanouit. Et là, seulement à ce moment-là, tu peux le poignarder avec l'éclat. Je ne comprends pas la logique. Voilà. Après, il y a toujours une histoire d'éclat périap, donc ça va. Le scénario est respecté, mais il n'y a pas de logique.